Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Alien Isolation. Ou Isolation, ça dépend comment on le dit. Ouais. Alors attendez, que je me souvienne de la touche. Merde, Crody, non, le radar. R1, pardon. Je sais pas encore très bien m'en servir. Parce que là, on dirait qu'il y a un truc. Hein. Je vois pas trop. Merde, non. Il y avait un truc derrière moi il y a 2 secondes. Non? D'accord, j'ai des vibrations dans la manette, je sais pas ce qui se passe. Je sais même plus où je dois aller exactement. Probablement par ici. Tac. Allez. Ouvre-moi ça, Amanda. Tac. Ça vibre. Putain, je me trompe de touche. Oh putain. Pourquoi j'ai des vibrations? C'est pour nous faire flipper? Ça, c'est quoi? Des espèces de douches? Pack de recharge? J'ai un pack de recharge. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que le radar, il n'y a pas de batterie. Si? Non. Je crois pas. Bon, je ne sais pas. Les points situés au bord de l'écran du détecteur du mouvement indiquent votre objectif. Ah, c'est l'objectif. Donc ça veut dire que je vais exactement l'opposé. Ok. Bon, on va visiter un petit peu. Oh, un nouveau plan. Émetteur de son. Ah, c'est sûrement pour faire diversion, ça. Alors attendez, on va regarder comment ça se fait. Émetteur de son, apparemment j'ai le matos qu'il faut. Est-ce qu'on s'en fait un? Ouais, je pense, parce que j'ai pas mal de kits de soins d'avance. Et puis je suis blindé au niveau des détecteurs. Pack de recharge, ah c'est ça, d'accord. Alors comment ça marche? Lorsqu'il est enclenché, ce dispositif fait maison, émet un son continu, très aigu, qui attirera beaucoup d'attention. Si on le pose au sol, il lui faut 4 secondes avant de s'allumer. Ok. Bon. Attends, mais je l'ai pas fabriqué? Ah non, j'ai engagé le truc, mais j'ai pas fabriqué les... Ok. Excusez-moi. On va prendre les fumigènes dans la main. On sait jamais. Bon, de ce côté... Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Non. Alors je sais pas si ça détecte également les androïdes et compagnie. Utiliser le levier, maintenir L2. D'accord, il y a des portes qui sont verrouillées comme ça. J'ai des vibrations dans la manette. Vous me faites chier. Ok, il n'y a plus rien là. Bon, on avance. Qu'est-ce que... Putain. J'ai encore rencontré personne avec cet objet, donc... Ah non, c'est un androïde de merde caché derrière la porte. Je te vois. Sinon quoi? Je dois contacter mon vaisseau. Je ne peux pas vous laisser faire. Amanda, vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Il y a forcément un autre chemin. Et puis on est filmé, c'est bien. Ça, j'aurais pu le désactiver les caméras, je sais pas qui s'en sert. Oh, je t'avais pas vu, toi. Ah, c'est toi qui nous parlais. C'était pas lui, là. Nous allons vous aider. Oui, c'est ça. Tiens. Tiens, la vitre, les costauds. Ça pète pas. Putain, ils réagissent même pas à la violence. C'est bizarre, ça. Carte d'accès requise, ok. Bon. Pour le moment, ils sont encore pacifiques, mais je pense que ça va pas durer. Putain, ça me stresse, ce radar, là. Plus qu'autre chose.
Allez, un petit piratage. Ouh, ça a changé. Qu'est-ce que c'est? D'accord. J'avais jamais vu de piratage sous cette forme. C'est bon, oui. Attention. Et puis ce qu'il y a, c'est que j'ai désactivé le son de la manette, donc du coup, moi j'ai moins le son par rapport au radar. Quoi, il y a un truc. Putain de merde. Vous faites chier. Baisse-toi. Détecteur, agent collant, Camelot. Parfait. Y a rien d'autre. Des casiers. Oh, on voit que dalle. Je vais peut-être allumer vite fait la lampiote, un petit peu quand même. C'est à moi qui parle. C'est moi, Yooks. Vous me reconnaissez pas ou quoi? Yooks, t'es où? Oula. Le radar bug un peu. Il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons. Trouvons une solution à l'amiable. Oh putain. Bonne journée. Ouais, peut-être que je me taise. Le micro est activé. Putain, ils sont sérieux, mais ils sont pas censés juste assurer la maintenance, là? Punaise. Bon, je sais pas qui c'était, Hughes. Comment on sort? Non, on sort pas. On grimpe, non? Oh! Non, on continue. Putain, on voit que dalle. Putain, pourquoi ça bug là, le détecteur? Le radar? Et ça, c'est quoi ça? Éviter la détection? Étrange, quoi étrange? Qui parle? Ah mais on peut pas passer là, si. Ça me paraît mal barré. Attendez, est-ce qu'il faut pas retourner dans une des... Là, on pourrait passer, peut-être. Qu'est-ce que c'était? Ah, mais il faut que j'arrête de parler aussi. Oh fuck off, hein. Dégage. Aïe, au secours. Au secours. Aïe, on me frappe. Putain. Solution de merde. Putain, mais crève. Ah, y'a pas moyen. En plus, y'a un trophée, hein, les tuer. Sans armes. Putain. Ah non, waouh, je me retape la sauvegarde. Oh, crotte. Ce système de sauvegarde de merde. Et ouais, quand je parle, ils m'entendent. Je crois que je vais désactiver l'option, hein. Parce que c'est ça qui l'a attiré. Putain. Oh, crotte de bique. J'avais... Si, j'avais avancé un petit peu quand même. Hein. Putain, quelle idée à la con j'ai eu. Oh là là. Bon. On va juste vite fait se ramasser les plans. Des trucs sonores, là. J'ai oublié le nom exact. Allez, vas-y. Il y avait un truc là. Pack de recharge. Ensuite, on récupère le plan. Il y avait autre chose à côté, voilà. Tac, je crois que là il y avait rien. Non mais j'ai dû louper un point de sauvegarde, je pense. Ça m'étonnerait qu'ils nous mettent vers des choses dangereuses sans point de sauvegarde. Parce que bon, même si c'est pas très long, c'est pas très pratique de devoir se retaper à chaque fois la scénette si on se foire. Saloperie. Bon, faites demi-tour. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau.
utiliser. Oh, surprise! J'avais même pas vu tout à l'heure. Je t'écoute même pas là, Android à la noix. Je vais me recréer un émetteur de son quand même. Hop. Hop. T'as comment tu veux tuer ça au corps à corps, les androïdes? Ils esquivent et ils chopent. C'est nimp. Parfait. Ça passe, nickel. Qu'est-ce que je fais? Je désactive l'option. Je pense. Hein. Parce que je crois que ça va plutôt me faire caguer plus qu'autre chose. Hop, cherche là-dedans, tac tac. Ouais, je vais désactiver l'option. Mais non, pas charger la partie, oh là là. Option. Audio. Haut-parleur de la manette. Non, non, c'est pas là-dedans. Dans le jeu, peut-être. Détection de bruit, non, allez, hop. J'avais mis avec juste pour voir, mais bon. Ça va plutôt être une source d'embrouille plutôt qu'autre chose. Il n'y a pas de sauvegarde, ils auraient pu en mettre une. Ça, ça n'est pas une. Non, c'est juste une lumière, ok. Ah, crottin. Bon. On va essayer d'avancer rapidement. Laissez-moi passer. C'est moi, Hughes. Vous ne me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons. Trouvons une solution à l'amiable. Putain, je sais même pas si un headshot ce serait efficace contre eux là. Oh là là. Je vais au moins essayer d'aller récupérer son arme. Mais je vois pas trop comment je peux passer. Et puis ils nous ont donné un truc. Détecteur de... émetteur de son. C'est peut-être pas pour rien qu'ils le donnent tout de suite. Je ne sais pas trop. Bon déjà, normalement là je peux parler. Mais alors... Ouais parce que le... La cible apparemment elle est par là-bas. On peut pas passer directement je pense. Parce que même en passant à genoux là... Ouais je sais pas. Oh là là. Hey! Ton flingue a disparu. Putain j'ai des vibrations. Au moins je peux parler. Il viendra pas me faire chier l'autre. Un terminal, est-ce qu'on peut se permettre de le regarder? Non, non, non. Quoi? Mais y a rien là, pourquoi ils me font des blagues? À moins qu'il y ait quelqu'un caché dans le placard, mais... Bon, il doit pas être très loin non plus, hein. Bon. Inventaire plein. Allez, on va faire un petit tour sur le PC. Votre message envoyé... Ta-ta-ta-ta-ta. J'ai pas envie de lire. Je lirai en off, je suppose. Hop. Si j'y pense surtout... Oh là là, non mais c'est trop long. Fichier corrompu. Utilitaire. Rien du tout. Ok, merci beaucoup. J'espère qu'il n'y avait pas une info cruciale dans le lot. Bon. Putain, il doit être juste là, là. Oui, il est là. Comment il se déplace? Ah putain, il y en a un autre là-bas. Ah, non, 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 non. Il n'y en avait pas un, là? Est-ce qu'il y a une porte, là? Non, te planque pas autant. Ressors. Relève-toi, ramasse-moi ça. Ramasse. Merci. C'est quoi ça? Pourquoi je le détecte pas, lui? Bon. Ça, qu'est-ce que c'est? Image de la caméra. Putain, par contre, ça risque de les attirer. Hi!
On trace. Il y avait peut-être des choses à récupérer, sûrement. Ah putain, il arrive. Il est aveugle ou bien? Non. Mais non, mais... Putain! Casse-toi! Bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'il m'a repéré, la saloperie? Là. Non, dégage. Appuie sur le bouton. Il est avec moi ou c'est bon? Putain d'enfoiré. Oh. Mais comment j'aurais pu faire, là? Je comprends pas trop. Oui, soigne-toi. Ah, ça redonne pas tout. Oh, l'arnaque. Cap central des communications. Accès réservé aux employés de Sixon. Putain, on est pas dans la merde, hein, je vous le dis. Oh non, mais non, mais... J'entends même pas là ce qu'il y a d'écrit de sous-titré. Je sais pas d'où ça vient. On sauvegarde. Non, on sauvegarde. Putain de merde. J'ai vu quelqu'un qui arrivait à droite. Allez. Oui. Putain. D'ailleurs, je me suis retapé une vidéo, j'ai oublié à un moment de récupérer les infos de la carte. Bon. Contacter Verlaine et le Torrens. Donc on y est, le problème c'est qu'on n'est pas seul. Attends, ils nous font passer par là. Ah, faut monter ? J'ai envie d'aller jeter un œil par là, moi. Attendez, quoi ? Maintenez L2 pour concentrer la vue. Ah, pour regarder derrière. Ok. Mais c'est un peu bizarre leur truc, hein. Apparemment, il y a quelqu'un, mais je le détecte pas complètement. C'est assez étrange. Oh, ça y est, ça rebug. Mais j'ai même plus mon objectif. Crotte, hein. Putain, je sais pas où je vais, mais on y va. Bon, apparemment, il n'y a rien. Ah, c'était peut-être une bonne idée de passer par là, je ne sais pas. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Trouver un autre terminal de communication. Putain, mais ils sont sérieux. Alors avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Image de la caméra. Enlève-moi ça. Nous, on n'a pas besoin de la caméra. Purification de l'air, ouais. On a peut-être besoin de respirer quand même. Image de la caméra, je vois pas à qui ça peut servir à part éventuellement aux androïdes. J'espère que ça va pas me... M'enquiquiner. Attends, elle me suit pas la caméra là. Oh. Je l'ai désactivé la caméra là. Attendez, j'ai bien désactivé la caméra il y a 2 secondes. Bon déjà, redresse-toi, il y a personne. Eh ben, c'est désactivé, image de la caméra. Ou alors ils ont un écran noir. Mais la caméra me suit quand même, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon. Ça, on peut rien faire apparemment. Ouais, donc j'aurais pu y accéder par là, on dirait. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Un terminal. Une glacière. Camelot, inventaire plein, je vais me créer des trucs.
Émetteur de son. Ben, je vais me refaire un medikit. Hein. Tac. En haut. Tac. Vas-y, crée. Ensuite, on récupère la camelotte. Il y a de quoi se planquer. Ok. On peut pas refermer la porte là déjà. Ouh, il y avait un agent collant. Ok. Ouh, ouh, ouh. Voilà, alors. Ça, ensuite. Celui-ci, et pour finir, celui-ci. Parfait. Terminal. Est-ce que t'as quelque chose d'intéressant à nous apprendre? Accueil du Torrens. Je suis Diane Verlaine, capitaine du Torrens. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ouais, donc ça, c'est le message qu'elle a envoyé au début du jeu. Partager erreur. Ok, audio. Ici Verlaine du Torrens. C'était quoi ce bordel? Sébastopol? Est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ok, donc même eux de leur côté, ils sont dans le caca. C'est génial. Ici Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS. Et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. Ok, c'est la cata partout, c'est génial. Bon. Alors, direction l'objectif. Bah à la limite, on peut se déplacer en permanence avec le radar. Et alterner entre la vue du radar et la vue de derrière. Mais bon. C'est moi qui fais ce bruit. Putain, mais... Marche discrètement, là. Putain, mais on revient en arrière. Oh, crotte. On va re-sauvegarder, tiens. Tant qu'à faire, hein, ça nous évitera de se retaper tout ce qu'on vient de faire. Allez. Mais j'ai vu quelqu'un marcher tout à l'heure. Hein. En tout cas, je le détecte plus. Si. Mais y'a rien. Comment ça se fait que je détecte des trucs et après y'a rien? Ah, il y a une trappe en bas. Hop, hop, inventaire plein. Bon, tant pis. Ah, il est là-bas. On va essayer de passer par là, je sais pas où ça nous mène. Oh, punaise. Il est juste en face. Je sais pas si on peut les achever par derrière. Fumigène. Franchement, je sais pas si on peut les éliminer. Bon, déjà, je peux parler, ils m'entendent pas. Il est juste en face, là. Non? Chut. Referme la porte. Oh, putain. Android de merde. Putain, pourtant, ils sont... Oh! Putain, mais ils sont partout! Bordel! Comment je fais? Putain, merde. Est-ce que j'essaie d'en tuer indiscrètement? J'ai sauvegardé il n'y a pas longtemps, ça fera pas grand-chose. Je vais essayer de voir si je peux en achever un. Voici une installation assistée par Sixon. Allez, viens. Viens. Viens! Viens, android de merde. Dites donc, ça marche pas. Putain de merde, je me fais fracasser. Lâche-moi, lâche-moi, enfoiré de merde. Parce que c'est qu'on a un deuxième derrière. Allez, mais... Putain, Amanda. Amanda, t'es pas doué.
Oh putain. Aïe. Moi aussi je peux... Putain mais non mais... On peut pas les éliminer furtivement quoi. Oh, mon tour à présent, allez, achève-moi. Super. Bon, au moins j'ai la réponse à ma question. On ne peut pas... Je sais pas, leur tordre le cou par exemple. Je sais pas si ça marcherait. Putain, mais j'aurais pu lui planter le marteau dans la tête là, dans le dos. Putain d'androïde de merde. Il faut aller tout droit, et tout droit il y a deux androïdes. Ils sont malins, eux. Puis là, y'a rien, d'accord. Bon, allez, passe sous la table. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ah, y'a pas un truc à ramasser, là? Au-dessus? Non? Je sais pas ce que c'est. Ah oui, bah du coup... J'ai pas fouillé. Là-dedans... Inventaire plein. Oh, purée. Bon, tant pis, on va pas perdre du temps si on meurt, hein. On va pas faire du craft inutile. Putain, mais comment je peux faire, quoi? Je pense qu'il faut plutôt que je passe par là-bas. Bah j'ai même pas mon objectif, en fait, c'est ça qui est chiant. Du coup, je sais même pas par où je dois aller. Là, on peut ressortir déjà, on va essayer peut-être. Bon, on dirait qu'il n'y a personne. Ah, oh, si, il y a quelqu'un à droite. Ah, mais on remonte. Je veux pas remonter, moi. Je veux redescendre. En même temps, c'est un peu logique. Hein. Je reprends une trappe vers le haut. Oui, non, c'est bon, je peux parler. Voilà, on passe discrètement. Est-ce qu'il y en a un autre à côté? On dirait... Oh putain. Non, non, c'est lui. Hey. Ouh. Chut. Il a rien vu. Non, il vient, il vient. Non, fuck off, qu'est-ce qu'il fait? Allez, casse-toi. Putain de merde. Là, bien sûr, c'est fermé. Mais mon objectif, il le met là-bas, mais... J'en viens de là-bas, là, ils sont sérieux? Bon, on va essayer d'aller voir de ce côté plutôt. Porte fermée, bien entendu. Hein. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Putain. Tout est fermé, mais non. Soudeur ionique. Je l'ai pas, votre putain de soudeur ionique. Bah qu'est-ce que je fais alors? Je suis condamné. Ouais, la progression n'est pas simple, on sait pas toujours ce qu'on doit faire. Oh putain, je pensais qu'il y avait un autre passage, mais pas du tout. Oh, bon, on va aller vers le marqueur, on verra où ça nous emmène. Repianote. Ouh! T'as rien vu. Il me stresse, hein, cet abruti. Non, c'est bon, il repart. Vas-y, pianote. Fais ta vie. On va essayer de suivre le marqueur, mais... Ah, là-bas, de l'autre côté. C'est vrai que j'ai pas essayé. Oh putain. Lui par contre je connais pas du tout son parcours, il se rapproche. Si on passe par devant. Oh putain, l'idée de con que j'ai eu. Bah il va me voir là. Non, il me voit pas. Bon c'est bien, il est aveugle. Il me voit pas, ok. Ah oui, il fallait venir de ce côté. Ok, ok. Allez, on va suivre l'objectif. Oh
androïdes, ils sont vraiment chelous. Voilà, c'est un message en boucle, ok. Non. J'ai entendu du bruit. Faites chier. Oh, je suis sûr qu'on va faire une mauvaise rencontre. Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Bah allez, on va marcher un peu plus vite. Répondez, je vous en prie. Quoique non, putain, avec ce système de sauvegarde de merde, hein, faut être ultra prudent. Hein. Et mon objectif, il est où? Enregistre de session et entrepôt. Accès réservé à Zixa. Ah. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es mort? Grenade aveuglante. D'accord, je sais pas où elles étaient. Alors... Quoi? Mais t'es sérieux? Mais dégage! Putain, la blague de merde! Mais nimp! Défaut détecté, ouais. Abruti, ouais. Putain, mais qui sont cons, hein. Putain, je voulais faire du craft là. Oh non! Cassez-vous! J'en ai ras le cul! Vous me faites chier! Allez, grenade aveuglante. Je sais pas si ça marche pour les androïdes. Alors, dispositif inoffensif qui explose à l'impact, étourdissant les humains à proximité et aveuglant aussi bien les humains que les synthétiques qui regardent sa détonation. D'accord. Donc ça peut marcher contre les androïdes. Enfin, ou les synthétiques, moi j'appelle ça les androïdes. Mais je pense qu'ils les appellent les androïdes aussi des fois, non? Je sais plus. Bon, je commence à être un petit peu équipé, faut pas que j'hésite à utiliser mon matos. Déjà on va se soigner, regardez, j'ai perdu la moitié de ma vie. Medikit. Hop là, voilà, ça ira un petit peu mieux. On va s'en refaire un tout de suite. Voilà, c'est fait. On va ressortir les fumigènes. J'aime bien me balader avec, même si j'en ai pas encore utilisé un seul. Je mâche les syllabes, pardon. Bon, l'android est passé apparemment. Putain, j'ai pas sauvegardé depuis un petit moment là. Chier. Fais chier. Allez, mais purée, pourquoi ils mettent pas plus de points de sauvegarde que ça? Ah, je croyais que ça allait s'ouvrir ça, mais non. Oh là là. Qu'est-ce que c'est galère. Même, je crois qu'on va passer tout le reste du jeu à marcher comme ça. On va peut-être se redresser quand même. Y'a pas un point de sauvegarde là? Parce que je suis sûr dès que je vais appuyer sur les trucs il va se passer quelque chose encore. Bon allez. On va aller voir. C'est ici ou c'est plus loin? Qu'est-ce que c'est ça? Utiliser. Qu'est-ce qui se passe? Que... Verrouiller? Ouais, j'ai pas trop compris ce que je suis en train de... Faire quoi? Non. Faut verrou... Quoi? Faut prendre les 4 en même temps? Je comprends pas là. Putain, j'en sais rien ce qu'il faut faire. J'appuie sur croix quand il y a un truc blanc qui passe, mais... J'ai pas l'impression que ce soit le bon truc. Ah si, ça a verrouillé les deux du milieu. Ok. C'est un peu bizarre quand même, hein, leur truc. Ah, faut peut-être les prendre au même endroit en fait. Contrôle d'urgence. Je sais pas ce que je viens de faire, hein. J'ai pas trop compris. Appuyez sur les données correspondantes lorsque le circuit est actif. Mais de quoi on parle? Je comprends pas. Mais là je fais quoi? Putain.
C'est quoi les données? On va prendre la première. Non, NDE peut-être, plutôt. Non, il se passe rien, d'accord. Je sais pas ce que je fais, je fais des trucs au pif. Ah, faut tout verrouiller, non? Je sais pas. J'ai rien compris. J'y comprends rien. Contrôle d'urgence. Mais j'ai pas compris cette étape-là. Que... Là, c'est bon. Mais non, mais je comprends pas ce que je dois faire. Ni quel bouton je dois utiliser, en fait. Oh là là. Ah, ça correspond aux trois boutons. C'est chelou leur truc, hein, je comprends pas. Ah, c'était ça, d'accord. Entre triangle, carré et croix. Samuels, vous êtes vivant. Ici Ripley. Ripley, quelle heure c'est Ripley? On s'inquiétait. J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose. Une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Ok. Communication non autorisée. Veuillez patienter. Veuillez patienter mon cul, ouais, salut. Que je dois faire. Merde. Sauvegarde déjà, sauvegarde, sauvegarde. Oh mon dieu. Oui, oui, écrase, écrase, écrase. Hey, pourquoi c'est revenu? Bon. Y'a rien là qui se pointe. Ah, y'a un plan encore. Mine. Tu peux te planquer? Non, pas là-dessous. On peut pas crafter sous le... Oh putain, il y a des androïdes. J'ai bien fait de bouger. Hein. Bon. Je voulais regarder les mines. Ah, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Ok. Je les capte pas bien, les deux, là. Quand je regarde dans la direction, j'ai pas le point hein, qui leur correspond. C'est pénible, ça. Non, si j'utilise ça, ils vont me griller. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc briller là. Détecteur. Ça, c'est fermé, ok. Putain. D'androïde à la noix là. Synthétique. Eh, mes mains montent. On y croit, merci. Oh, à chaque fois qu'on est dans les conduits, on capte plus rien. C'est une horreur. Putain, mais on voit rien sans la lampe. Allez. Putain, où est-ce qu'ils sont? J'en ai vu deux, hein. Et je dois aller où? J'ai plus de marqueur. Retourner auprès de Samuel et Taylor. Attends, c'est ça, là? Retourner. D'accord. Donc je suis carrément à l'opposé. T'en es pas passé? Bah oui, là, ça, ce terminal, on l'a pas vu. Putain, je pensais que j'étais en train de m'échapper, mais pas du tout. Sébastopol, ici Nina Taylor, administratrice exécutive pour Wayland Yutani. J'accuse réception de votre transmission.
Je fais partie d'une équipe chargée de récupérer la boîte noire du Nostromo. Cette boîte noire que vous détenez est d'une importance capitale pour Weyland Yutani. Sous les accords d'entreprise qui nous lient, nous vous rappelons qu'il vous est interdit d'essayer de lire son contenu ni de révéler sa présence à un tiers. Nous serons bientôt là. Message privé à l'attention du Marshal Waits à suivre. Ok, et au niveau de l'utilitaire, il n'y a rien. Ok, moi je pensais que j'étais en train de m'échapper, mais pas du tout en fait. Je suis limite en train de me coincer tout seul. Putain, allez, on avance. Oh putain, on voit que dalle. Ouais, on la laisse allumer. Bon. Est-ce qu'ils sont là, les deux trous du cul? Oui, ils sont pas loin. Mais ils apparaissent pas clairement. Bon, alors attendez, je regarde un peu la map. Ouais, c'est plus ou moins tout droit. Attendez, plus par là ou... Non, plus par là. Ok. Et c'est là où il y a quelqu'un, bien sûr. Ah, mon objectif est revenu. Rétablir le courant. Ok. Putain, il y en a dans le coin normalement. Hein. Interrupteur GNR engagé. C'est quoi cette voix là? Putain, ils font chier. Pourquoi ça bip? Ça, je sais plus si. Si j'ai récupéré déjà, actualisé la carte. Oh, où est-ce que je dois aller exactement? Ok. Putain, je marche à deux à l'heure, quoi. Allez, on se redresse. Non, on va peut-être pas sprinter non plus. Oh! Il vient ou il se casse? Hey, hey! J'arrive pas à voir. Trop, fait chier. J'ai pas bien vu ce que c'était, c'est un androïde ou... Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Putain, mais il y a des trucs partout, là. C'est quoi cette merde ? Je vois rien. Oh, putain de merde. Ah ! Putain, non, il m'a pas vu. Enfin, j'espère. Sinon, on est mort. Jeter un oeil, mais non, on va jeter un oeil nulle part, là, c'est bon. Et qui parle à moi? Non. Non, il parle pas à moi. Au secours. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Tu, on se casse. Mais je tourne en rond, là. D'accord, je suis revenu en arrière. Le pilote qui me poursuit, ça me stresse. Android de merde. Ah, mais du coup, on l'a peut-être dévié. On va pouvoir passer, peut-être. Mon cul, ouais, non. Putain, c'est bon. J'en ai vu un sur le côté. Oh putain. Allez, on trace comme un porc. Non, je voulais me rebaisser, mais non. Allez, trace. Stratégie de merde. Oh non. Personne. Baisse-toi. Je sais pas si on peut les semer. Oh putain. Oh. Mon dieu. Mais merde hein. Je dois aller où là? Putain, j'ai encore m'écarter. Oh là là. On va essayer de ressortir par là, de ce côté. Oh. Il y en a au moins trois. Dont un juste au-dessus. Un saloperie. Putain de merde. Comment je fais? Non. Oh mon dieu. Il a bougé. J'ai pas vu de quel côté. Mince. Mais comment je fais? Mais non. Je suis condamné. Putain. Je vois pas trop comment je peux faire là. Hein. J'ai réussi un
à passer un peu en bourrinant. Putain, ça vibre, mais super fort, quoi. Là, il est là ou il est plus loin? Je m'en rends pas bien compte. Non, il est plus loin. Bon, on va remonter. On va dire que c'est bon. Oh putain. Putain, comment il me stresse, ces synthétiques de merde. Ah, il y en a un derrière. On va dire qu'il nous voit pas. Ok. Oh putain, point de sauvegarde. Vite, vite. Ah, mon dieu, mon dieu. Android à la noix. Putain, ils sont stressants, hein, mine de rien. Je pensais pas, en les voyant au début, je les trouvais plutôt ridicules. Mais finalement, ils sont plutôt angoissants. Allez, je sais même pas si c'est là où je dois aller, je pense que oui. Un peu de répit ou... C'est trop demandé. Oh là là. Ça s'ouvre de quel côté là? Ça a l'air d'être calme. Pour de vrai ou pour de faux? Putain, je vais pas sprinter. Oh non, 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 non. Non, mais il est derrière la vitre, il peut pas nous atteindre. Non? D'accord, il y est même pas, d'accord, pourtant on le détecte, hein. D'accord, je sais pas ce qu'il fait, on s'en fout. On avance, toujours sans sprinter. On va éviter d'attirer l'attention. Putain. Putain, je vous jure, je suis tendu, mince, c'est pas par là. Reste ouvert, ouvre, ouvre! Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je veux pas savoir ce que c'est. Tu. C'était pas un android ça, il s'est déplacé bizarrement. Quoi, il y a encore un truc là? Oh putain. Mais c'est horrible, hein. Il y en a un là-bas. Il y en a un là. Non, il y a personne. Je sais plus, on avait déjà regardé ce terminal. J'en ai pas le souvenir, je sais plus. Il y en a tellement. Ensemble pour demain, je me rappelle plus. Accès à la porte. Bon, j'ai pas regardé le reste. Oh putain. On va jeter un œil. Il a l'air de pas trop bouger, l'android. Alors, je vous laisse lire si vous voulez. Attendez, quoique... Alors, Hugh, donc celui qui est mort, là. J'installe un verrou manuel sur la porte qui mène à l'étage. Je ne veux... Ah, si, mais ça, on l'a déjà vu, ça. Je l'avais déjà lu, je m'en rappelle. Il n'y a pas un point de sauvegarde, là. Alors, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Éclairage. Vaut mieux l'enlever, l'éclairage. Hein. Accès au relais. On enlève l'éclairage. Système de haut-parleur, ça peut peut-être faire diversion. Vu que ça fait du bruit ambiant. Peut-être moyen d'être moins repérable. Ou alors c'est complètement l'inverse, j'en sais rien. Oh putain, allez. On va essayer de passer, de finir cette zone quand même. Ah, on peut pas contourner. Merde, merde, merde. Bon, on va tout droit. Y a pas d'éclairage. Tu me vois pas. Putain. Ah, mais il est là. Oh, je crois qu'il s'était barré. Non, mais... Oh, putain, je me fais peur tout seul. Mais là... Putain, on le voit pas très bien. Bon, allez, regarde pas vers nous. Oh, putain. Ah, oh, tu... C'est trouver leur machin là. Bon, j'ai bien fait d'éteindre la lumière, je pense. Alors attendez, faut aller où exactement là? On approche là, ça commence à être. Ah, faut tout contourner encore. Oh là là. Oh.
Il est où l'autre? Pourquoi je le détecte? Ah. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas où il regarde. Vas-y, retourne de l'autre côté. Allez, dégage. Ah. Non? Putain, je sais pas ce qu'il fait. Ils ont pris ma fille. Bah, moi, il y a un putain d'androïde là qui me fait chier. Allez, je vais pas utiliser un émetteur de son quand même. Ah putain, je crois que je vais pas avoir le choix. On bouge pas, on fait le mort dans le noir. Nien ! Putain de merde ! Casse-toi ! On va essayer de le semer dans la salle là. Putain ! Je te vois plus ! T'es où, androïde de merde ? Synthétique. Non, il m'a vu ou pas là? Oh putain. Non! Ils sont deux? Ils sont trois? Non mais allô? Au secours? Fuck off! Mon dieu, je crois que je suis condamné. Oh. On va essayer de passer en force. Enfin, en courant. Pas en force. Est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce qu'ils... Non, ils me barrent pas la route. Je sais même pas où je dois aller. Merde. Cours, cours, cours. Cours. Oh putain, ils sont toujours derrière. Mais ça va, ils courent pas. Ils nous suivent sans arrêt. Mais ils ont pas l'air de courir. Putain, je crois que c'est là qu'il faut aller. Mais est-ce que je peux activer le truc? En étant poursuivi. Bouton, 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 bouton. Bouton! Bouton, c'est pas le moment de se foirer. Oh. Ah, saleté de synthétique. Oh là là. Ils sont stressants, hein, nous poursuivre, là. Alors, moi, j'aimerais bien m'arrêter, là. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alien qui se balade au-dessus? C'est quoi, cette merde? Allez, on y est presque. Cours! Je sais pas s'il y a un truc. Bouge ton cul. Non? C'est juste pour nous mettre la pression? Bon, je ne sais pas. Ah, j'ai cru que c'était fermé. Non, non, normalement on est quasiment arrivé là. À moins qu'ils nous ont foutu des pièges. Il y a un truc, hein. Non, non, il est là. Non, il va pas nous laisser tranquille. Putain, j'aurais dû sauvegarder, il y avait un point de sauvegarde derrière, je crois. À moins qu'il soit juste là. Non, il est là, on sauvegarde. Il y a des bruits. C'est le truc qui arrive ou... Enfin, le vaisseau. Oh putain. Ah ouais, non, mais alors là, je viens de sauvegarder. Ça veut dire que je vais crever en boucle à l'infini. Putain. Bon bah, il était bien là. Ah non. Mais ouais, mais s'il est toujours derrière mon dos quand je recharge la sauvegarde, ça va pas le faire. Ah putain. Non, ça va. Putain, mais je sais même pas comment me planquer, je sais même pas où je dois aller. Cette station dessert Sixon Communication. C'est qui ça? Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet. Bonjour. Au revoir. Je sais pas qui c'est. Non? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas ça que je dois prendre moi? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, emprunter le transit vers... Ah, faut peut-être prendre le bon. Ah, vers la tour. Ah, d'accord, j'ai pas pris le bon truc. C'est celui qui est en face à droite. Et merde. Ah, je suis coincé. Putain de merde. Je peux rien faire.
vers la salle des machines, mais c'est pas là où je dois aller. Samuel et Taylor se trouvent dans la gare de transit. Non, c'est en face. Hein. Merde. Putain. C'est bien, les gens font diversion. Enfin, je sais pas si c'est bien. En tout cas, ça nous rend service. Non, c'est bon, il s'occupe des gens. Ça marche pas, au secours. Non! Putain! Ah, fait chier. Maman, on aura vu une jolie animation, hein? Putain! Et ouais, crotte, faut que j'aille discrètement dans celui-là, alors. C'est là-dedans, là. Putain, il est pas encore là. Il n'y a pas un seul placard. Oh, vous me faites chier. Putain, je me fous dans un placard, comme ça je pourrais plus sortir sans flipper. Oh, des photos. Putain, on voit rien. C'est... Il est arrivé, le truc, là. Putain, bon, allez, on y va. Il est pas là tout... Oh, putain. On voit rien, on avance. Voilà, la technique marche. Oh, mon Dieu. Vous ne devriez pas être ici. Ouais. Oh là là. Alors, attendez, en fait, j'aurais bien voulu m'arrêter. Est-ce que là, ça a sauvegardé? Je ne sais pas, punaise. Me parle pas tout de suite. Je peux sauvegarder, attendez, je reviens plus tard. J'arrive, Samuel, on sauvegarde. Parle pas, Taylor. Garde tes forces pour la prochaine vidéo. Bon, eh ben, je m'arrête là. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Restez avec elle. Pour la suite. Et si la créature nous attaque? Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Allez, salut.